Salut, c'est Tom de Tomigo Photographie. Alors, c'est le concours du mois d'octobre. Eh bien, 24 participants, des choses intéressantes, des nouvelles têtes. Et vraiment, vous avez été inspirés. Alors, on se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama avec une musique excellente, bien sûr, de Johan et Christophe. Voilà. Alors, les photos, les 24 photos, je trouve qu'elles sont très intéressantes. Elles apportent toutes quelque chose de différent, une vision de cette saison qui est fort intéressante, qui est l'automne. Et bien sûr, comme c'est un concours, il ne peut en y avoir qu'un au final. Alors, voici les 4 photos qui ont recueilli le maximum de points lors des votes par les membres de l'Académie. Et je dois dire, c'est mérité. C'est mérité. On va les prendre une par une. Voilà, on va commencer par... on va commencer par Agnès. Voilà, Agnès, une habituée, bien sûr, de l'Académie, une habituée du concours et de la revue. Et là, je trouve qu'Agnès, tu as fait vraiment, vraiment du très bon travail. Les couleurs sont remarquables. L'éclairage est remarquable. Moi, ça me rappelle beaucoup les peintures nature morte et c'est franchement mes peintures préférées. En fait, ce que j'aime dans la peinture, c'est quand la peinture est tellement bien faite que je me demande si c'est une image, si c'est une photo. Et à chaque fois que je vais au musée, c'est vrai que je vais vers ce genre de peinture. Et là, tu nous offres quelque chose de vraiment remarquable. Donc, chapeau. Si j'avais juste un côté négatif à souligner, ça serait ta faible profondeur de champ. Voilà, j'aurais préféré que tu utilises autre chose qu'un F4. Ça se voit, ça se voit. C'est dommage qu'on perde de la texture dans... je reviens en arrière, dans le CEP. Ici, c'est dommage. Et puis on en perd aussi au fond là-bas. Donc j'aurais préféré avoir la texture du début jusqu'à la fin. Voilà, à fermer un petit peu plus pour la prochaine fois, mais vraiment magnifique.
Alors celle-ci, encore une autre nature morte, faite par Christian Subtil. Vraiment, je trouve très intéressant, Christian. Et je me demande combien de personnes ont pris le temps de lire réellement les deux pages que tu as suivies. J'ai essayé de le lire. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout la partie manger qui dit que lorsque quelqu'un malade et dans un grand abattement de force et qu'il demande à manger, que les assistants se réjouissent, le médecin doit craindre car c'est un signe dangereux. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je serais curieux de savoir, Christian, pourquoi tu as choisi ce livre-là? Voilà, alors je sais que tu as décidé de faire cette nature morte, puisque dans le Corentin, toutes les feuilles étaient déjà tombées et donc il n'y avait plus vraiment l'esprit d'automne. Mais je trouve que c'est très bien. Ce que j'aurais fait personnellement, je pense que j'aurais supprimé ce petit reflet de lumière qui est ici, qui est très qui flash beaucoup et qui, malheureusement, si on devait encore imprimer cette image, ça aurait tendance à gâcher le tout. Mais sinon, je trouve ça bien. J'aurais préféré peut-être un ton un petit peu plus sombre dans la scène, jouer plus sur la lumière de la bougie. Voilà, mais sinon, très intéressant. Et la profondeur de champ aussi légèrement un petit peu courte. Voilà, c'est dommage qu'on ne voie pas la texture de la noix ici, qui est assez intéressant de la façon dont on peut avoir un manque de netteté ici et qu'on ne l'ait pas là. Je ne sais pas quel objectif tu as utilisé, mais c'est intéressant. Donc, bravo. Ensuite, eh bien cette photo, elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir d'être là parce qu'elle a été prise par Christian Capel, voilà, le papy belge. Et Christian, ça fait longtemps qu'il suit ce que je fais et qu'il fait partie du club. Il a été aussi modérateur sur le club, sur Google+. Là, il est sur l'académie, il participe aux revues, il participe aux concours, toujours. Et ça me fait plaisir de te voir ici, Christian, parce que on voit le niveau qui augmente au fil des ans et je suis très, très content pour toi. Alors, juste le petit point négatif, ça serait, tu dois avoir des saletés sur ton capteur. Je sais que ça t'est déjà arrivé dans le passé. Donc là, on voit un point là. Voilà, c'est juste des petits détails encore ici également et puis légèrement un petit truc ici. Juste faire attention à ces petites choses-là, parce que si, encore une fois, tu venais à imprimer, tu serais déçu à quel point ces détails-là ressortiraient et gâcheraient ta photo, mais je la trouve très bien dans la simplicité, comme quoi la simplicité paye, voilà. Et ensuite, celle-ci, c'est de Nathalie. Alors, Nathalie est toute nouvelle, j'avais fait référence à Nathalie lors du live, d'ailleurs, et puis lors de la revue du mois précédente, parce que j'avais vu les photos qu'elle l'aller proposer pour le concours et pour la revue. Et vraiment, c'est assez incroyable. Alors là, c'est clair que Nathalie, on revoit les couleurs de l'automne avec ses tons rougeâtres, orangés, jaunes. Je trouve ça très, très bien. Le petit point négatif pour moi, c'est peut-être ce ciel qui est quand même très, très lumineux et qui se reflète dans cette eau-là, aussi bien au loin, là-bas, que ce que l'on a en bas, ici, de l'écran. Et puis, quelque chose qui sort de l'eau, ici, à cet endroit-là, ici, ici et ici. Encore une fois, c'est si on venait à imprimer la photo, ça ne pardonnerait pas ces petits détails, donc attention, ça fait très photo abstraite, je dois dire, on ne sait pas trop où regarder. Voilà, avec ces points assez sombres, de ces troncs d'arbres, etc. Mais je vois bien ça accroché à un mur, je dois dire. Alors, comme il ne peut y en avoir qu'un, c'est un peu comme Highlander, je dois dire que j'avais du mal, vraiment du mal, parce que en tête, on avait Agnès qui est ici, et on avait Christian ensuite. Et à Execo, c'est pour ça qu'on en a quatre, à Execo, on avait Agnès, et Christian. Et alors j'avais beaucoup de mal parce que chaque photo avait quelque chose, un petit point que sur lequel je titille un petit peu, mais et puis après ça m'a embêté parce que quand j'ai fait mon choix je me suis dit encore elle, sérieusement, encore elle, vraiment. Et bien oui, malheureusement, la vainqueur de ce concours d'automne, eh bien, c'est Agnès. Voilà. En tout cas, cela dit, que ça ne vous désespère pas, les autres membres. C'est la preuve comme quoi, c'est pas parce qu'on gagne une fois qu'on ne peut pas gagner les autres fois. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Je vous jure que j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Mais je dois dire que c'est la photo qui demande le moins, qui, si on pourrait l'imprimer immédiatement, elle serait très bien
telle qu'elle est. Voilà. Et faut, c'est un concours, il faut regarder absolument tout, le respect du thème, bien sûr, mais aussi la qualité de la photo, de l'exécution de cette photo. Et là, je dois dire que c'est très bien réussi. Donc, félicitations Agnès. Donc, bien sûr, tu as la lourde responsabilité de choisir un thème pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, bien sûr, ton œuvre va figurer dès ce soir en première page de l'Académie de photo, la Photo Académie, et bien sûr dans la page concours. Alors, si toi qui regardes ça, tu te demandes comment participer au concours et que tu n'es pas encore membre de l'Académie, bien, laisse-moi te montrer en fait. Voici la page. Donc, Agnès va se retrouver sur cette page à côté de Béatrice, à côté de Steve aussi. Et puis, il y en avait un autre et je ne me souviens plus de qui c'était. Voilà, et Agnès avait déjà posté ceci au travers auparavant. Donc, si toi aussi, tu veux rejoindre l'Académie pour y participer, c'est très simple. Il te suffit au minimum d'être dans la classe FAIR. Voilà, ça te coûte 1 euro par mois. 1 euro par mois, tu as accès au salon de l'Académie et bien sûr à l'espace concours. Voilà, donc tu viens dans l'espace concours et puis tu postes ton image. N'oublie pas de regarder la petite vidéo ici avec le lien à droite pour voir comment ça fonctionne. Et puis tu peux voter pour l'œuvre que tu choisis. Tu peux apporter ton œuvre également. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez me poster pour la fois prochaine. Agnès, envoie-moi le thème du concours, s'il te plaît, au plus vite, dès ce lundi, voilà, par message privé. Et puis, je le communique à tout le monde dans une newsletter ou bien vous le trouverez, comme d'habitude, le thème ici, écrit dans la rubrique info de la page concours. En attendant la prochaine fois, bien, c'est Tom qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le. Cheers.